Lorsque Martin Mondoux m'a appelé environ 2 semaines passées, j'ai senti un feeling qui était pratiquement incroyable parce que je me suis dit, Martin Mondoux, les Cataractes de Shawinigan, me redonnent la chance de finir le travail que malheureusement, dans mon estime à moi, que Bob Hartley n'avait pas fini avec les Cataractes en raison que j'ai pas assisté au fameux but. Donc, c'est un honneur pour moi de me joindre à l'organisation, à mon ancien joueur des Thrashers d'Atlanta, Pascal Dupuis aussi. Et puis, pourquoi que j'ai dit oui? C'est que j'ai découvert les Cataractes de Shawinigan, l'organisation, le professionnalisme d'une organisation junior majeure. Et j'ai vu Martin Mondoux et son groupe travailler à la Coupe Memorial. J'ai vu son comité organisateur, non seulement la Coupe Memorial, les joutes extérieures et puis... Comme tout homme de hockey, bien, je suis toutes les ligues que j'ai dirigées. Et, la Ligue junior centrale de l'Ontario, la Ligue junior majeure. J'assiste peut-être pas à beaucoup de matchs, mais je connais toutes les équipes, je connais tous les entraîneurs, je connais beaucoup de joueurs. Et puis, le fameux cycle du junior majeur, cycle de 3 ans, cycle de reconstruction pour Martin Mondoux et son groupe, n'existe pas vraiment ici. Et Martin, c'est un professionnel. Martin a prouvé depuis son arrivée à Shawinigan, il veut donner aux partisans de Shawinigan un produit de qualité, un produit gagnant. Et puis pour moi, ben c'est motivant parce que j'ai eu la chance d'avoir des équipes gagnantes aussi. Donc, ce fut un oui instantané. C'est une grande joie, c'est un honneur, comme j'ai dit, pour moi de me joindre à cette organisation-là. Là, pourquoi? Parce que je crois en cette organisation-là. Je crois aux gens en place, et puis je suis convaincu, on l'a prouvé en 2012, on l'a prouvé aussi à nombreuses reprises, les Cataractes de Shawinigan, quand ils organisent une célébration ou un tournoi, on le fait avec grande classe, et puis je pense que ça rejaillit non seulement sur l'organisation, sur la ville de Shawinigan, mais aussi sur toute la Ligue junior majeure du Québec. Fait que, je vous remercie d'être ici ce matin, et puis je remercie l'organisation des Cataractes pour cette belle invitation. Vous connaissez mon implication avec les Cataractes, Steve vient de le mentionner. C'est seulement naturel pour moi quand on me l'a demandé de devenir ambassadeur de la Coupe Memorial, de dire un gros oui. Quand on a, en 2022, on s'est rendu à la Coupe Memorial avec une équipe qui venait de gagner la Coupe du Président. Pas sortir de là avec le trophée a été quand même difficile, je te dirais. Et puis, de soumettre une candidature pour l'avoir ici à Shawinigan, avec le groupe qu'on a, des joueurs qui ont déjà participé en 2022 à cet événement-là avec nous, des leaders de notre équipe qui sont capables de redonner aux jeunes groupes de joueurs qu'on croit beaucoup. Gagner, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose que cette organisation-ci est capable de faire, l'a démontré. C'était seulement naturel pour moi, comme je l'ai mentionné, de dire oui. Et puis, je suis convaincu, il nous reste 18 mois pour se préparer du côté hockey. Puis, je suis convaincu qu'on est capable de le faire.